Bonjour. Aujourd'hui, vous allez faire cette fiche d'activité qui se trouve dans votre pochette violette. Alors, vous aurez besoin d'un crayon à papier et peut-être d'une gomme. Avant de commencer ce travail, n'oubliez pas tout en haut d'écrire votre prénom en écriture cursive et la date. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 29 septembre. Alors on peut écrire septembre de manière plus rapide en écrivant 09, puisque septembre est le 9e mois de l'année. Alors, sur cette fiche, on y voit beaucoup d'images. Et sous chaque image, on voit le mot correspondant écrit en cursive. Devant ce mot, il y a une case vide. Votre travail aujourd'hui, c'est de compléter cette case en écrivant les petits mots-outils qui conviennent. Si le mot est un mot masculin, on complétera avec un le. Si le mot est un mot féminin, on complétera avec une la. Alors, voyons ensemble. Pomme. Est-ce que l'on dit un pomme ou une pomme? On dit une pomme. Oui, le mot pomme est un mot féminin. Hein, donc, on va écrire une et la, puisqu'on peut dire aussi la pomme. Donc, on complète ici devant une pomme ou bien la pomme. Ensuite, poire. Est-ce que l'on dit un poire ou une poire? On dit une poire. Donc on complète une poire, hein, et on peut écrire aussi la poire. Poire est un mot féminin. On continue. Chaise. Est-ce que l'on dit un chaise ou une chaise? On dit une chaise. C'est un mot féminin. Une chaise. On peut dire aussi la chaise. Allez, un dernier ensemble. Banc. Est-ce que l'on dit un banc ou une banc? On dit un banc. C'est masculin. Hein? Et donc on peut écrire aussi le banc. Hein? Voilà. Je vous laisse continuer pour les mots suivants. Alors, vous avez le mot tapis, banane, chameau, pamplemousse, stylo, télévision, ordinateur, framboise, cerise, citron, livre, fraise. Hein, donc à vous de compléter. Petite chose à préciser pour le mot ordinateur. Hein. Est-ce qu'on dit un ordinateur ou une ordinateur? On dit un ordinateur, hein, c'est masculin. Mais attention, on ne peut pas dire le ordinateur. Ça ne sonne pas très bien, hein, puisqu'ici, le mot ordinateur commence par une voyelle. On a déjà vu la famille voyelle, hein, et lorsqu'on est devant une voyelle, on ne peut pas écrire le ou la, hein. Alors, pour que ça soit plus joli à l'oreille, on va écrire L apostrophe. Hein, on dit l'ordinateur. Je vous laisse maintenant continuer. Quand vous aurez terminé, n'oubliez pas de vérifier vos réponses avec la correction et de coller cette fiche dans votre cahier de devoirs. Bon courage!